vous savez que cette section du festival est composée par des films de trois pays en provenance des Caraïbes, deux films qui viennent d'Haïti, deux films qui viennent de Porto Rico et cinq films qui viennent de la République dominicaine. Nous avons le très grand plaisir d'accueillir dans cette table ronde les deux réalisateurs de Miriam Miente, Miriam Man, l'un des films dominicains présentés dans cette section. Ils sont Natalia Cabral et Oriol Estrada. Et aussi Getty Félin, à ma droite, qui est la réalisatrice du film « Haïti, mon amour ». Avec l'aide de ces trois invités, nous vous proposons de faire un inventaire, un état des lieux des cinématographies de ces deux pays qui ont bien sûr des cinématographies fort jeunes. Je vais commencer par m'adresser à Natalia et Oriol et je leur pose la question. Il existe en République dominicaine depuis l'année 2011 une direction générale de cinéma dont l'objectif principal est de promouvoir la production locale. Pour atteindre ces objectifs, je leur demande quels sont les aspects spécifiques dans lesquels cet organisme aide les cinéastes à mener à bien leurs projets. Hola. Sí. En español, ¿no? Entonces, bueno, la Dirección General de Cine es un organismo que nació a través de la promulgación de la Ley de Cine. Donc, cet organisme a été créé au moment de l'adoption de la loi sur le cinéma. Y es la encargada de, bueno, de que todo lo que esté escrito en la ley se cumpla. Que se cumpla, por ejemplo, que los rodajes sigan las directrices de la ley, que cada año surja el FOMPROCINE, que es una ayuda al financiamiento de películas dominicanas del Estado, y también regula la ley de cine que toma en cuenta las producciones internacionales también. Los rodajes de las producciones internacionales. Donc la loi du cinéma prévoit que il y a des règles à respecter sur les tournages. L'organisme, la Direction générale du cinéma est chargée d'appliquer cette loi. Il y a également un fonds de promotion pour le cinéma qui offre un financement aux projets locaux. Et la loi couvre aussi, et la Direction générale du cinéma couvre aussi les tournages internationaux qui sont produits au Venezuela, en République dominicaine. Et concrètement, quels sont, disons, un petit peu les pas qu'un cinéaste, n'est-ce pas, doit faire pour aller de ce qui est un scénario, disons, jusqu'à un produit qui est déjà prêt pour être montré en salle? Con la ley o en general? Avec la dirección general. ¿Cómo la dirección general? Bueno, depende cómo vas a financiar la película, si es con la ley de cine o es simplemente con fondos internacionales y el fondo FOMPROCINE. Hay diferentes maneras hoy en día de financiar en República Dominicana. Entonces, depende de cómo lo hagas, pues ellos te regulan de cierta forma. En fait, ça va dépendre du choix de financement. Si on obtient des producteurs des financements locaux ou internationaux, ou si on a besoin de l'aide de FOMPROCINE ou directement de la direction, cette direction va surveiller et vérifier que tout se passe bien. Sí, concretizando. Hola, ¿qué tal? Concretizando un poquito más lo que es la ley, ¿no? Para entender cuál es de qué manera puede regular la Dirección General de Cine. Hay que decir que en la ley hay dos artículos, ¿no? El artículo 34 y el 39. El 34 básicamente es para fomentar la producción local. Entonces, lo que se ha conseguido con eso es que antes del 2011 se filmaba en República Dominicana una o dos películas al año
y ahora mismo se están filmando alrededor de 25, incluso 30 películas al año. Donc il y a, d'abord bonjour, il y a plusieurs articles importants un peu dans cette loi du cinéma qui a été adoptée en 2011. L'article 34 prévoit la promotion du cinéma dominicain. Et à l'époque, il y avait peut-être un ou deux films par an. Et maintenant, on en a 25 ou 30 films par an. Esa ley, yo creo que como todas las leyes y todas las maneras de fondos, de estímulos a las cinematográficas, tiene sus partes buenas y malas. Explicaré un poquito cómo funciona, ¿no? Surge parte de la inversión privada, es decir, el 25% de los impuestos que una empresa tiene que pagar al final de año de impuestos los puede invertir en cinematografía. Donc, comme toutes les lois, il y a des avantages et des inconvénients. Une des caractéristiques de cette loi, par exemple, c'est que tout le 25% des impôts que doivent payer chaque entreprise à la fin d'une année fiscale, ils peuvent décider de le verser sous forme d'aide au cinéma. La parte buena es muy liberal, es una ley muy liberal, es decir, porque no hay límites, ¿no? Es decir, tú como cineasta, como productor independiente, puedes acceder a cualquier empresario y tratar de convencerlo para que ponga dinero, invierta en tu proyecto cinematográfico, ¿no? Esa sería la parte positiva, digamos, ¿no? La parte negativa es que la ley de cine no regula qué proyectos se van a financiar. No funciona como un fondo público europeo, por ejemplo, que hay un jurado y se decide en función de la calidad del proyecto, ¿no? Alors, évidemment, l'avantage c'est que comme c'est une loi très libérale, un producteur, un cinéaste dominicain peut s'adresser à un entrepreneur et le convaincre de soutenir son projet. Il n'y a aucune limite à cela. Par contre, le désavantage, c'est qu'il n'y a aucun critère, disons, de qualité. Il n'y a pas, à l'inverse des fonds publics européens, un jury qui choisit, qui va décider des produits qu'il veut soutenir. Là, il n'y a aucune limite. Lo que pasó un poquito al inicio, los cineastas independientes jóvenes creíamos que no conseguiríamos dinero a través de la ley de cine, porque evidentemente lo que se hace mayoritariamente en República Dominicana son comedias comerciales, ¿no? Y creíamos que no iban a invertir en esas películas, ¿no? Pero con el tiempo lo que fue pasando, que las películas independientes que fueron yendo a festivales, el empresario se fue animando y fueron surgiendo mecenazgos. Y ahora realmente películas como Miriam Mendes han financiado ese mecanismo y películas incluso más experimentales, ¿no? Au début, les jeunes cinéastes, les cinéastes indépendants, on pensait que cette loi n'allait pas nous apporter grand-chose parce que ce qui se fait surtout, c'est des films commerciaux à gros succès. Mais avec le développement de très bons films qui ont commencé à être présentés dans des festivals internationaux, à obtenir des prix, les entrepreneurs ont compris que ça pouvait être intéressant et il y a de plus en plus de mécènes qui nous permettent de développer ces projets. Et le fait est que Miriam Mont a été produite par le mécanisme prévu par cette loi. Y resumiendo un poquito, hay otro artículo que es el artículo 39 de la ley que es para promover que rodajes internacionales de grandes producciones vayan a rodar a República Dominicana como destino fílmico. Que funciona un poco distinto, es digamos que a partir de una inversión que creo que es a partir de $500,000 que se invierta en el país, se les retorna el 25% de la inversión y que es algo que otros países de la región están haciendo, ¿no? Y en résumé, l'article 39 de cette loi touche les tournages de films internationaux, les films qui vont être tournés en République Dominicaine pour essayer de les y attirer. À partir du moment où ils investissent $500,000 en République dominicaine, alors ils récupéreront 25% de cet investissement. C'est un mécanisme qui est aussi utilisé par d'autres pays de la région. Très bien. Maintenant, je m'adresse à Arghetti. Existe-t-il en Haïti un organisme similaire à la Direction générale de cinéma, par exemple, de République dominicaine? Allô. C'est bon. Vous m'entendez? Bonsoir à tout le monde, merci d'être là. La culture est quand même est super maltraitée donc, en Haïti. Il n'y a pas donc, de politique culturelle.
Nous avons donc un ministère de la culture, mais on appelle ça le ministère de carnaval. Et donc, y a une organisation qui s'appelle la FOCAL, Fondation Connaissance Ac Liberté, en créole, qui veut dire donc la Fondation de Connaissance et de la Liberté. Et c'est une institution qui a un peu plus de 20 ans maintenant, qui finance la fabrication des films documentaires, les pièces de théâtre, d'autres manifestations culturelles, notamment un festival que j'ai mis en place depuis 2 ans, Les Lumières du Sud, rencontre cinématographique de Jacmel, donc dans le sud-est du pays, donc qui est en partie financé donc par cette institution. Cela fait quand même quelques années qu'on demande au gouvernement, au ministère donc de la Culture, de mettre en place un bureau de cinéma qui pourrait donc aider à faire naître des films, des jeunes cinéastes en herbe dans le pays. Des cinéastes comme moi et comme mon compatriote Raoul Peck, nous on trouve des financements ailleurs pour faire nos films parce qu'on a vécu ailleurs et donc on n'a pas trop de mal, enfin on a du mal à faire nos films, mais on a plus de facilité à trouver des financements que nos compatriotes donc à l'intérieur d'Haïti. Donc pour répondre à ta question, il n'existe pas vraiment au sein du gouvernement, mais c'est une bataille de longue haleine qu'on mène avec d'autres cinéastes à l'intérieur du pays et aussi à l'extérieur. Pour faire exister donc un bureau donc de cinéma. Très bien. Maintenant, on va parler un petit peu d'un autre aspect important, qui est l'aspect de la formation professionnelle. Je sais enfin que beaucoup de cinéastes dominicains ont fait leurs études à l'École internationale de cinéma et télévision de San Antonio de los Baños, à Cuba. Mais je pense que maintenant, il commence à y avoir d'autres possibilités et d'autres institutions pour pouvoir faire leurs films. Quelle est la situation à ce niveau? Est-on en train de faire un effort précisément pour créer des écoles de cinéma de manière à professionnaliser le métier? Sí. Sí, ha pasado un poco con lo mismo que, o sea, yo creo que la formación ahora está en un buen momento, está empezando a... Inicialmente se invirtió, la ley no contemplaba tanto la formación, ¿no? Digamos, se pensó más en la producción y con la experiencia se fueron dando cuenta de la importancia de la formación, ¿no? Effectivement, je crois que les choses s'améliorent. Au début, avec cette loi du cinéma, ils pensaient vraiment à la production des films et ils n'avaient pas pensé à la formation. Mais ils se sont rendus compte que c'était nécessaire. Et donc, il commence à y avoir des initiatives de formation. Como tú bien decías al inicio, pues muchos cineastas habíamos estudiado en Cuba o algunos en Estados Unidos, en Europa, y ahora mismo sí hay como varias escuelas de cine, ¿no? Que se han formado. Por ejemplo, hay una escuela muy interesante que es la Escuela de Chabón, que es una escuela de artes, tiene una trayectoria muy grande, muchos años de una importante escuela de artes, ha abierto su cátedra de cine, ¿no? Y lleva como 2 años ya. Y la directora es la que fue directora de cine de Cuba, que fue Tanya Valete, que es una... Y esto está enfocado muy en una formación muy artística, ¿no? Y después hay otra escuela de cine, que es INTEC, por ejemplo, que es un poco lo opuesto, es una universidad tecnológica, ¿no? Y ha abierto su cátedra de cine, ¿no? Y es más enfocada en la tecnología, ¿no? En la formación técnica, ¿no? Del cine. Et donc effectivement, il y a maintenant des écoles de cinéma en République dominicaine. Il y a l'Institut Chavon, qui est une très bonne école d'art, qui a depuis 2 ans ouvert sa chaire de cinéma. Et la directrice, la responsable de cette chaire, est la directrice du ciné de Cuba. Donc c'est vraiment une formation de grande qualité. Et puis il y a aussi INTEC, qui est un institut technologique, et qui donne une formation de cinéma,
mais vraiment plus sur les aspects technologiques de la chose. La Dirección General de Cine también hace cursos, ¿no? Individuales de profesionalización, ¿no? Concretos, guión, trae. O sea, yo creo que sí, realmente ahora se está invirtiendo mucho en formación. Se habla mucho de que tienen que mejorar los guiones y creo que están pasando las cosas que tienen que pasar, ¿no? Y la Dirección General de Cinema organiza également des cours précis sur des sujets, como por ejemplo el scénario o la producción, etc. Donc, il y a vraiment un effort. Il y a un effort pour améliorer les scénarios. Il y a un effort pour améliorer la production de cinéma. Très bien. En ce qui concerne donc Haïti, nous avons donc l'ENARTS qui, dans le temps, avait des cours théoriques autour du cinéma. Donc, c'est l'École nationale des arts, donc qui se trouve à Port-au-Prince. Et depuis 2004, quand on a mis en place le premier festival de films donc à Jacmel, j'avais commencé donc à faire des ateliers donc de cinéma, donc des ateliers de sensibilisation au cinéma. Donc c'était très théorique. Et chaque année, donc on proposait donc d'autres cours, on faisait venir donc les cinéastes donc qui étaient là donc pour présenter leurs films, donc qui faisaient des masterclass donc avec les participants. Et quand le festival s'est arrêté, donc c'est un festival donc qui avait duré 3 ans, le fondateur donc de ce festival a décidé donc de mettre en place avec c'est un Américain qui s'appelle David Bell. Il a décidé donc de mettre en place des formations un peu plus poussées tout au long de l'année. Et donc est né Artist Institute. D'abord c'était donc Cine Institute et qui se trouve à Jacmel, donc sur la côte sud-est du pays. On ne peut pas vraiment dire que c'est une école de cinéma. C'est une formation donc, de 2 ans avec plusieurs formations. Il y a des cours théoriques et puis il y a des cours techniques. Mais l'écriture de scénario fait défaut. Et aussi donc, tout ce qui est son aussi. Ils ont entre-temps ouvert une école audio, mais qui est surtout pour les enregistrements, mixage de musique, production musicale, et pas forcément pour le cinéma. Et donc, moi, c'est un débat que j'ai constamment avec eux, en disant que vous avez donc une école de cinéma sur le même campus, et vous ne faites pas donc des formations plus poussées au niveau donc d'enregistrement, donc de tournage, etc. Et voilà. Et cette école, depuis 2 ans, a fermé ses portes pour un petit peu se renouveler, pour réfléchir à quel type de formation. Parce que comme on n'a pas donc de production vraiment dans le pays, ils sentaient qu'ils formaient beaucoup de gens, mais ils les mettaient au chômage finalement. Mais c'est une formation quand même. Et les élèves qui sortent de là, après, trouvent d'autres travails, peut-être pas forcément dans le cinéma. Et il y en a beaucoup qui ne font pas des films. Il y a très, très, très peu qui font des films parce qu'il n'y a pas de structure qui les accueille donc après. Et c'est la raison pour laquelle donc, j'ai mis en place donc, le festival donc, Les Lumières du Sud donc, il y a 2 ans. Qui n'a rien à voir avec le festival donc, de films de Jacmel donc, qui était fondé donc, en 2004. Mais j'ai mis en place donc, ce festival pour vraiment instiguer une industrie donc, de cinéma donc, en Haïti, pour que les jeunes puissent s'accaparer donc, de formations autres, des formations continues, rencontrer donc, des professionnels. L'idée, c'est de faire venir donc des professionnels aussi donc de l'étranger, de les rencontrer, de discuter avec eux de leur prochain film et trouver des idées comment travailler ensemble, trouver donc des financements pour pouvoir donc réaliser leur film. Très bien. Maintenant, on va passer à un autre point. Quelles sont les principales thématiques qui sont représentées dans la production cinématographique? D'abord à vous, dans la production dominicaine.
Et si, pensez-vous qu'il y a certains genres de cinéma dont la production est privilégiée peut-être par rapport à d'autres? Bueno, gracias a la ley de cine, hoy por hoy la producción se ha abierto a una gran diversidad. Tenemos largometrajes de dramas, tenemos documentales, tenemos cortometrajes también. También porque hay más escuelas de cine, entonces se hacen más cortometrajes. Y también, por supuesto, están las películas de comedia, que son las películas que tienen más tradición, ¿no? Porque se vienen haciendo desde antes de la ley. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on commence à avoir une grande diversité de genres. Il y a des longs métrages, des dramatiques. Il y a des courts métrages, beaucoup, puisqu'il y a beaucoup d'écoles maintenant. Il y a des documentaires également. Et puis, bon, le genre habituel, quand même traditionnel, c'est la comédie. C'est des films qui se faisaient depuis toujours, bien avant même l'adoption de la loi du cinéma. Sí, las comedias, bueno, desde antes de la ley eran muy exitosas. Hay dos o tres directores que cada año hacen dos o tres comedias y son las que el público más apoya y la gente va en masa y es como el género del pueblo, ¿no? La comedia. Oui, ces comédies sont extrêmement appréciées par le public. Il y a deux ou trois directeurs, réalisateurs qui sont très connus, très reconnus et chaque film est un grand succès. C'est vraiment des grands succès populaires. Y después de la ley, pues muchos se animaron a hacer más dramas, ¿no? Y en los últimos años, estos dramas, que son cine de autor también, han podido cruzar las fronteras y últimamente en casi todos los festivales de cine importantes a nivel internacional hay una o dos películas dominicanas que están recibiendo un cierto reconocimiento. Donc, grâce à la loi du cinéma, c'est vrai qu'il commence à y avoir des films qui ne sont plus des comédies, qui sont des longs-métrages qui racontent des histoires plus profondes ou plus dramatiques, du cinéma d'auteur. Et il est vrai que maintenant, on trouve dans pratiquement tous les grands festivals au moins un ou deux films de République dominicaine qui sont ainsi reconnus pour leur qualité. Y un género que es menos popular, pero que está siendo muy, muy interesante, es el género documental. O sea, últimamente se están produciendo documentales muy, muy buenos que se hacen al margen de la ley de cine, en su gran mayoría, pero que según algunos críticos en Dominicana, críticos de cine, ellos dicen que ahí es que realmente es que está como el potencial, ¿no? de la cinematografía dominicana. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'excellents documentaires qui sont produits, réalisés en dehors du soutien de cette loi du cinéma, mais qui est véritablement très apprécié par les critiques plus que par le grand public. Mais les critiques de cinéma, les connaisseurs pensent que c'est vraiment là que se trouvent les futurs talents du cinéma de République dominicaine. En ce qui concerne Haïti, je dois donner un petit peu d'historique quand même, parce que en fait, quelques années donc avant le tremblement de terre, il y a eu une effervescence des gens qui se sont accaparés des caméras, donc qui étaient des techniciens donc à la télé, comme Richard Sénécal, qui travaille beaucoup à l'image. Qui a décidé donc de passer à la réalisation, donc qui a réalisé un film Barricade, donc drame social, clash de classe, et qui a très très bien marché. Et lui, il a commencé par prendre son film et aller partout dans le pays et projeter dans des salles. Enfin, il y avait deux salles encore. Mais surtout dans des centres, des endroits où on a donc où on fait donc des discothèques et donc beaucoup ont suivi
Et donc, il y avait une effervescence comme ça, et que les gens consommaient donc le cinéma. Et c'était donc, il y avait donc des drames, il y avait beaucoup de comédies, ça marche aussi énormément. Et donc, il en a fait d'autres après. Et pendant toute, entre fin 90 jusqu'aux années peut-être 2006, 2007 à peu près, il y avait vraiment une effervescence. Il y a énormément, donc, il y a eu énormément de productions donc, locales et consommées donc, par des Haïtiens eux-mêmes. Et parce qu'ils ne se voient pas souvent donc, à l'écran. Et donc, vraiment, donc, il y a eu énormément de solidarité donc, pour le cinéma haïtien. Et donc, après le séisme, donc, toutes les salles du pays donc, ont été détruites. Et donc, non seulement on n'a pas, comme la République dominicaine, nos voisins, eux, ils ont des vraies structures en place pour aider le cinéma. Nous, on n'en a pas. Donc, ça a vraiment affaibli donc, le cinéma haïtien. Et donc, cette effervescence un peu s'est éteinte. Après le séisme, mais on a énormément donc de réalisateurs donc de documentaires aussi qui font des films, qui vont aussi donc dans des festivals partout dans le monde. On a aussi une jeunesse qui arrive donc grâce à l'école de cinéma et aussi grâce à des formations que propose la Focale, donc cette structure dont j'ai parlé donc au début. Et aussi qui permet aussi la rencontre avec des cinéastes confirmés, étrangers, qui viennent faire des masterclass au sein donc, de la Focale sur l'écriture donc, du documentaire. Donc le documentaire est très présent chez nous. Très bien. Maintenant, une question qui a trait à la distribution, évidemment, de tous ces films qui se produisent, la distribution au niveau local. Est-ce que la DGCine et la Direction générale de cinéma s'occupent-elles de la distribution au niveau local et bien sûr ensuite au niveau international? Et au niveau local, est-ce qu'il y a, disons, un quota de films, un quota d'écran, n'est-ce pas, qui obligerait les salles de cinéma à montrer un certain pourcentage de films dominicains pour pouvoir promouvoir la production? Bueno, lo que la ley no contempla es precisamente apoyo a la distribución. O sea, una vez que la película se rueda, ahí se acaba la ayuda, tanto de las ayudas públicas de FonProCine, de la Dirección General de Cine, como el incentivo privado público a través de la ley de cine. Alors la loi ne prévoit rien après le tournage. Donc la distribution n'est pas du tout couverte. Donc un film, tout le soutien que peut recevoir un film s'arrête après le tournage, que ça vienne de la DGCine ou du fonds de promotion. Entonces lo que pasa es que estas grandes producciones de comedia que son muy rentables y a que va mucho público, sí tienen apoyo privado de empresas que le dan dinero para que la ciudad se llene de vallas y de publicidad, y así todo el mundo se entera de estas películas y van en masa a ver estas películas. Alors les grandes comédies très populaires, elles n'ont aucun problème à obtenir du financement pour leur distribution. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont ravies d'avoir leur logo sur les affiches, qui vont se voir dans tout le pays. Il y a énormément de gens qui vont voir ces films, donc pour elles, il n'y a pas de problème. Pero luego el resto de películas, los documentales, las películas dramáticas, las películas de autor, no tienen ningún tipo de apoyo, ¿no? Para poder llegar a la gente. Par contre, les films d'auteur, les drames, les documentaires, ils n'ont aucun soutien à la distribution, donc c'est beaucoup plus difficile de trouver un public. Entonces lo que nos preocupa, ¿no? Lo que hablamos muchas veces Uriol y yo y otros directores jóvenes dominicanos es que no se están viendo nuestras películas, o sea, podemos hacerlas, pero no se ven. Donc en fait, ce qui nous inquiète, et on en a souvent parlé avec Oriol, avec d'autres directeurs, réalisateurs de cinéma,
c'est que oui, ok, on arrive à faire nos films, mais personne ne les voit. On n'a pas de public, on n'arrive pas à les distribuer. Entonces es un poco decepcionante, ¿no? Que te pases tanto tiempo y que le des tanto esfuerzo a ese trabajo y que luego cuando ese trabajo ya esté listo para ser visto, ¿no? Que ese es su propósito, estemos solos, ¿no? En esa parte. Donc c'est évidemment très décevant de, après tellement de mois de travail pour réussir à produire un film. Un film, son but ultime, c'est d'être vu et qu'on ne puisse pas le montrer. Sobre todo también porque el cine dominicano tiene que competir con el cine de los Estados Unidos. Que ese cine ya nos viene bombardeando desde hace meses y desde hace años de muchas formas distintas de su existencia. Entonces, claro, por ejemplo, en nuestro caso, Miriam Miente se pudo estrenar comercialmente hace 2 semanas, al mismo día que Captain Marvel. Y entonces ya el distribuidor nos dijo, pues a ustedes les va a ir fatal, porque Captain Marvel va a llenar y ustedes no tienen nada que hacer. Donc y a aussi l'énorme concurrence de toute la production des États-Unis qui nous bombarde avec d'énormes productions et le public est demandeur. Et dans le cas de Myriam Mont, elle est sortie distribution commerciale il y a 2 semaines, le même jour que Captain Marvel. Et donc le distributeur nous a dit, ouais, vous aurez personne, hein, ça va être très dur. Sí, justamente sobre lo que decía Natalia, algo que nosotros no nos preocupa y no entendemos que a veces cuando nosotros transmitimos esa preocupación a otros compañeros de la industria o a la misma institución de, bueno, es que la gente no está yendo a ver nuestras películas, ¿no? Parece como que si no importara, ¿no? Es decir, como que ese cine para festivales, si le va bien en festivales, ya es como que ya tienes eso ganado, esa es la meta, ¿no? Es como cuando realmente yo creo que los festivales son una manera de llegar al público, ¿no? O sea, nosotros queremos llegar al público dominicano, pero en ese aspecto es como que todo el mundo lo da por perdido. Todo el mundo nos dice, es que no va a ir nadie a ver tus películas. Oui, en fait, on en parle entre nous avec d'autres réalisateurs, et il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais bon, si ton film va à un festival, obtient un prix, ben, c'est génial, c'est ça le but. Et non, pour nous, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que notre film soit vu par le public dominicain. On parle de réalité dominicaine et c'est eux qu'on veut toucher. Et tout le monde est en disant, mais c'est peine perdue. Personne ne va aller voir ton film. Donc, pour atteindre pour pouvoir être distribué même au niveau de festival, c'est vous qui devez aussi faire toutes les démarches ou bien avez-vous de l'aide de la direction générale ou d'autres institutions pour pouvoir du moins entrer dans le circuit festivalier. Bueno, la dirección general de cine, sí tiene los ojos puestos en las películas que van, como decía, ¿no? Que van a festivales y sí recibes apoyo, ¿no? Lo que pasa, no como otros países, ¿no? Evidentemente hay países de la región latinoamericana que tienen mucha más trayectoria y tienen unos estímulos ya definidos. En el caso de Dominicana, no, es un poco como que uno tiene que ir un poco allá a llamar la puerta, mira, estoy en ese festival, ayúdame. Y te ayudan dependiendo de la agenda o de si les pueden ayudarte o no, ¿no? No hay como, no está regulado, digamos. Alors, il n'y a pas vraiment de règlement d'organisation pour soutenir les films qui sont sélectionnés dans les festivals. La DG Ciné observe, regarde, prend note du succès que peut avoir tel ou tel film. Mais si on veut, par exemple, qu'ils nous soutiennent pour pouvoir être présents au festival et participer, donc il faut toquer à la porte. Et puis la réponse, ça va dépendre un peu de l'humeur du moment ou du budget du moment, il n'y a pas de critère fixe. Igual yo creo que eso va a cambiar, ¿no? Como lo que decía de la formación, es algo que está cambiando ya, porque por ejemplo nosotros, mediamente, tiene unos agentes de venta que son Latido Films, que son bastante potentes, y
tienen varias películas dominicanas y o sea, hay otros agentes de venta también que se han fijado en República Dominicana como un destino, como un lugar de una industria de cine de autor creciente, ¿no? Entonces, ya han comunicado con la DGCine, le están diciendo, mira, es importante ayudar de esa manera, ¿no?, al cine, porque esas son la competencia de la región, ¿no? Como que yo creo que lo interesante en Dominicana es que se está aprendiendo sobre la marcha, pero se está aprendiendo y las cosas van mejorando, ¿no? En fait, je pense que exactement comme pour la formation, on a bon espoir que ça s'améliore. Parce que notre film, par exemple, est soutenu par Latido Films, qui est un réseau de vente, de distribution qui est puissant, qui est reconnu. Et ce réseau et d'autres commencent à vraiment se rendre compte qu'il se passe des choses intéressantes en République dominicaine et à soutenir plusieurs films. Et à dire à la DGCine, il faut que vous mettiez en place un soutien à la distribution. Donc, ça va sans doute se faire. Nous, on n'a pas de distribution. La télé pirate nos films et nous demande donc de payer pour qu'ils puissent diffuser donc nos films. Donc, n'ayant pas de salle, donc les seuls endroits sont donc les centres culturels. La Focale a une petite salle, donc on peut diffuser les films là-bas, mais on peut pas faire de profit, avoir une billetterie à la Focale, hein, donc c'est gratuit pour le public. Et on vient d'ouvrir, non c'est pas vrai, parce qu'il y a une petite salle maintenant, donc à Pétionville, dans le nord de la ville de Port-au-Prince. Et ils avaient donc un espace dans un petit centre commercial, et là il vient d'ouvrir une vraie petite salle avec 92 places. Ils essayent, ça commence, hein, ça renaît un petit peu. Mais sinon... Il n'y a pas de distribution. Donc la distribution se fait vraiment comme Sénégal, comme Arnold Antonin, donc qui est un doyen donc du cinéma en Haïti. Lui, il a aussi fait pareil. Il a été donc dans les centres culturels pour projeter donc ses films. Et voilà. Donc et aussi, il n'y a pas de le pouvoir d'achat est très bas. Haïti traverse une crise économique assez terrible en ce moment, et je comprends que le cinéma ne soit pas la priorité donc pour le pays, mais on essaye de trouver quand même à travers donc les festivals de diffuser ces films malgré tout, même si on n'arrive pas à faire des profits, mais au moins les gens puissent voir les films. Bien. En partie, vous avez déjà un petit peu répondu à cette question que j'avais. Quels sont pour vous les aspects de la production audiovisuelle dans votre pays qui, à votre avis, doivent être améliorés? Visiblement, la distribution, clairement, en est un. Y en a-t-il d'autres? Bueno, como decía Uri, sí haría falta en la DGCine que ese fondo, ¿no? Que son las empresas que invierten, pero que es una inversión que es un dinero público, porque son los impuestos, ¿no? Es un dinero que el Estado no tiene, ¿no? Que sí se pudiese de alguna manera elegir, ¿no? Qué proyectos van a ser rodados y qué proyectos no, porque hay muchas películas que se ruedan con la ley, pero que incluso ni siquiera se proyectan en ningún lado, que se hacen simplemente para hacer dinero, ¿no? Y es algo que la Dirección General de Cine lo sabe y siempre está buscando mecanismos como para que eso no suceda, ¿no? Pero sucede, ¿no? Entonces, siempre hay ese debate, ¿no? ¿Se puede limitar esta producción de cine? ¿Cómo? ¿Se puede decidir qué películas se van a financiar o no? ¿Cómo? ¿No? O sea, yo creo que esas son como unas preguntas pendientes, pero que son necesarias, que son importantes, porque se filma mucho,
pero la calidad es las buenas películas son pocas, ¿no? Effectivement, je pense que l'une des choses qui pourrait vraiment améliorer la situation, c'est que la DGCiné trouve un moyen d'avoir des critères de quels sont les projets qui sont soutenus. Parce que la loi, donc, permet à des entreprises d'investir de l'argent qu'ils devraient payer aux impôts, donc c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les arcanes de l'État, pour soutenir des produits culturels, du cinéma. Mais comme il n'y a aucun critère de qualité, bah, ils font des films commerciaux, ils font des films qui sont franchement pas forcément très bons. Et la DGCiné en est consciente, elle aimerait bien, mais elle ne sait pas encore. Ils n'arrivent pas à trouver la manière d'instaurer cette sélection. Nous, il y a beaucoup à améliorer. Déjà, il faut qu'on... l'école de cinéma puisse ouvrir donc ses portes. Donc on a besoin donc de convaincre aussi donc les bailleurs de fonds dans le pays de prendre au sérieux donc le cinéma et l'audiovisuel en fait, hein, parce que on produit aussi donc des documentaires donc pour la télé. Aussi donc trouver de dialoguer donc avec les responsables ne serait-ce qu'à la télé au sein du gouvernement d'essayer de trouver un moyen quand même d'avoir un fond avec des critères quand même et pour mettre en place de vraies structures. On doit améliorer donc la qualité de production aussi parce qu'il y a des choses qui se font quand même mais qui restent un peu au niveau donc des histoires un peu plus telenovela ce qui ne s'exporte pas vraiment et puis aussi la distribution. Il y a nous tout est à faire. Ouais. Après, n'est-ce pas, ce panorama que vous avez fait, êtes-vous optimiste quant à l'avenir de la cinématographie de votre pays, en dépit des limitations, n'est-ce pas, qui existent et qui bien sûr, rendent votre profession beaucoup plus difficile? Bueno, nosotros estamos bastante contentos con los últimos años, ¿no? Todo lo que se ha logrado, ¿no? A partir de la ley de cine, a nivel educativo, ¿no? Que se entendió la importancia de la formación y también el resultado de algunas películas que son buenísimas. Tenemos muy buenos documentales, tenemos muy buenas películas de dramas y cine experimental también. O sea, eso... Por ese lado estamos contentos, ¿no? Por eso, por lo que se ha logrado hasta ahora. Bon, en fait, on est plutôt content parce que depuis 2011, l'adoption de cette loi du cinéma, on a quand même beaucoup amélioré la situation. Il y a une formation qui commence à être solide et de qualité. Il y a un système de soutien à la production qui fonctionne, qui a ses limites, mais oui, on est plutôt optimiste à ce niveau-là. Pero a la vez tenemos un poco de miedo porque la ley de cine ha sido sobre todo una apuesta política de un partido en especial. Mais on est un peu inquiet parce que cette loi du cinéma, c'était le choix de un seul parti politique. Y este partido político se lo ha tomado como un logro muy 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 de él, ¿no? Y nosotros estamos agradecidos de este logro, ¿no? Pero también tenemos miedo de que los otros partidos, pues si llega el caso de que ese partido deje de tener el poder, pues que los otros digan, pues si ese es un logro de ese partido, pues entonces vamos a cortarle la cabeza, ¿no? Oui, en fait, ce qui nous inquiète un peu, c'est que ce parti revendique vraiment cette loi du cinéma comme son bébé, son produit merveilleux. Et on craint que si, au cours d'élections, ce parti n'est plus au pouvoir, comme ils en font une telle promotion,
Les autres parties se disent, ouais, ouais, alors c'est leur truc, bah on va lui couper la tête parce que nous, on ne veut pas reprendre ça. Donc, je crois que falta entender un poco que el cine es un patrimonio colectivo, ¿no? Que es un patrimonio colectivo de todos. Y es importante, ¿no? Que llegue esa reflexión y no sé si llegará. Y entonces tenemos miedo, ¿no? Lo que estamos aprovechando la ley, de que eso no se entienda del todo y de que los beneficios que tenemos ahora desaparezcan de la noche a la mañana. Oui, donc en fait, ce qu'on craint, c'est que ça puisse disparaître d'un jour à l'autre, alors que pour nous, nous sommes convaincus que le cinéma, c'est un patrimoine commun, collectif, qui touche toute la population, qui touche toutes les composantes, tous les partis. Ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Mais voilà, réussir à sensibiliser, à faire changer l'opinion pour qu'ils se rendent compte de ça, ça va être difficile. Ben, malgré le tableau un peu sombre que je dépeins donc, de la situation cinématographique d'Haïti, je reste quand même optimiste parce que il y a énormément donc de jeunes cinéastes, il y a des cinéastes donc de ma génération qui sont là en Haïti, on a de la diaspora aussi, donc il y a beaucoup de passerelles qui se font entre donc ma génération et donc la génération donc des cinéastes en herbe. Et on va trouver d'autres façons donc de produire aussi. Je pense que dans les contraintes, on arrive à être un petit peu plus intelligent, un peu plus astucieux et de faire avec. Moi, j'aime bien pousser un petit peu donc cette génération, de leur dire, vous avez tous des smartphones. Et n'attendez pas d'avoir, parce qu'un film, ce n'est pas la caméra, c'est une histoire, c'est une volonté donc, de raconter. Et plus qu'une volonté de raconter une histoire comme si votre vie en dépendait. Quoi. Et c'est ça de faire du cinéma. Et donc, s'ils ont vraiment, vraiment, vraiment envie de raconter leur pays comme eux, et ils le vivent, ils vont trouver quand même des moyens. Et nous, la génération donc avant, on est là donc pour les épauler, pour les aider, pour faire sortir aussi leurs films d'Haïti et les montrer aussi ailleurs. Sí, yo quería añadir algo en lo que dijo Natalia y lo que dijo Getty, porque creo que justamente, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hicimos documentales antes de la ley de cine, también con nada, ¿no? Con una camarita y con mucha pasión, sobre todo, ¿no? Y se da el caso que muchos de los cineastas que en Dominicana ahora están haciendo cine con la ley de cine, los que están haciendo películas de más calidad o que con más contenido, ¿no? Comenzaron antes de la ley, ¿no? Y con lo que sea, ¿no? O sea, al final, sí hay una situación que está en la ley de cine, pero lo importante es que tiene que haber una base y que eso no se hace con dinero, ¿no? Por un lado, y por otro, quizá lo bueno que ha hecho la... Perdón. Oui, je voulais compléter y réagir aussi à ce que disait Kitty. C'est vrai que pour nous, dans notre cas, et le cas de la plupart des bons réalisateurs de République dominicaine. On travaillait avant, on a fait des films ou des documentaires ou des films de fiction avant la loi du cinéma et on a continué à en faire, on a profité de ce nouveau mécanisme, mais les bons films sont faits par des gens qui ont quelque chose à dire, qui ont envie de le dire et qui mettent toute leur passion indépendamment des difficultés. Donc, il faut une base, une passion indépendamment de la facilité. Et quizá algo bonito que se ha vivido en estos años de florecimiento del cine en Dominicana es que ha venido gente de todas partes. Yo, por ejemplo, no soy dominicano, estoy casado con un dominicano, yo soy español y estoy disfrutando mucho porque estamos gente de todas partes del mundo allá y nos conocemos todos y como que nos comunicamos mucho y como que uno siente que está haciendo algo importante, ¿no? Et puis, un autre avantage, c'est qu'avec cette espèce de floraison cinématographique en République dominicaine, ça a attiré beaucoup de monde aussi d'ailleurs. Dans mon cas, je suis espagnol, je suis marié avec une dominicaine, mais je vis là-bas.
mais on se connaît tous, on se soutient, c'est extrêmement stimulant, c'est riche au niveau des échanges, des idées. Et donc, voilà, ça c'est aussi quelque chose qui ne va pas disparaître. Entonces, si algún día se acaba la ley, que se va a acabar, como dice todo el mundo, ¿no? Algún día va a pasar, eso no va a desaparecer, ese núcleo de colectivo que somos, ¿no? Que nos comunicamos mucho y que nos entendemos mucho, yo creo que va a seguir y de alguna manera u otra vamos a seguir haciendo cine. Quizá no todos, pero la mayoría. Donc je pense que même si la loi disparaît, que tout le monde nous annonce que cette loi sera abolie, ce noyau, il va rester. Et la plupart d'entre nous, je suis persuadé, va continuer à faire du cinéma. Tu as quelque chose à ajouter ? Non, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez ajouter par rapport à cette thématique, à savoir quelque chose qu'on n'ait pas touché, par exemple, pour que le public puisse avoir une idée aussi complète que possible de cinématographie haïtienne et dominicaine. On va ouvrir la salle un peu oui. Pour qu'ils puissent... Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Avez-vous entendu la question là-bas ou il faut la répéter? Vous l'avez entendu? Je voudrais dire que le créole est parlé en Martinique, en Guadeloupe, en Réunion, en Louisiane. Le Cajun ressemble à notre créole Sainte-Lucie. Donc il y a plein d'endroits où on peut nous comprendre. Moi, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas du tout la langue qui freine. Les Haïtiens ne parlent pas forcément le chinois, mais ils peuvent regarder un film chinois et comprendre ce qui est en train de se passer. Donc c'est pas la langue n'est pas le problème. Le problème, c'est de pouvoir faire, de pouvoir avoir les moyens donc, de raconter donc, des histoires et des histoires qui nous ressemblent, racontées par nous. Haïti a été beaucoup raconté par les autres et beaucoup de fois très mal raconté. Et donc, et une partie donc, de mon travail en tant que cinéaste haïtienne, c'est vraiment de permettre à mes compatriotes qui ont envie de raconter Haïti autrement cette possibilité de le faire pour que Haïti puisse pouvoir dialoguer dans le monde cinématographique avec les autres. Mais la langue, c'est pas du tout un problème. Moi, j'ai fait un film, on parle japonais, on parle créole, on parle français, on parle anglais. Et tout ça se passe en Haïti. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, algo que el hecho que se hable español en Dominicana no es garantía tampoco de distribución, justamente porque al contrario, ¿no? O sea, lo que pasa en Latinoamérica y en Iberoamérica, en contando España, de repente es que las otras regiones, como es un dialecto distinto, pues eso ya parece ser una frontera o así te lo hacen entender. Cuando realmente es un problema de poder, ¿no? El tema de la distribución es un tema de quién tiene el poder de la distribución, ¿no? Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Getty. La langue, de toute manière, voilà, il y a des productions dans le monde entier avec des langues de partout, et si le cinéma de République Dominicaine n'est pas beaucoup distribué en Amérique latine,
C'est simplement parce que la distribution, c'est une question de pouvoir. Et que les réseaux qui détiennent le pouvoir vont décider de ce qu'ils diffusent ou pas. Sí, o sea, algo que pasa en Dominicana a veces, se está haciendo mucho, se trata de rodar, se traen actores, como hay dinero para el cine, se trae pues actores de México, por ejemplo, se están tratando de hacer producciones exportables a nivel de mercado, ¿no? Y entonces, claro, la idea es que no se ruede en dominicano, ¿no? Pues entonces actores de distintas partes, venezolanos, mexicanos, una mezcla, y se trata de hacer un, aquí voy a decir, un producto, yo no hablo así, pero es un producto vendible, cuando al final se hace un pastiche que quizá no tampoco se vende, ¿no? Alors, ce qui se passe, c'est que, par exemple, ils décident de faire des films où ils vont amener des acteurs mexicains ou vénézuéliens, faire une espèce de pastiche, ça se tourne en République dominicaine, mais ça pourrait être n'importe où. En fait, ils créent une espèce de produit qui puisse se vendre dans toute l'Amérique latine, qui ne va pas forcément marcher, parce que c'est souvent pas très bon, parce que justement, ça ne correspond à aucune réalité profonde. Sí, también algo que pasa, muchos productores quieren rodar una película dominicana, pero con un español neutro. Entonces, no, para eso mismo, para internacionalizar las películas, que se entiendan en todos los lados, pero ¿quién quiere ver una película sin alma? O sea, yo creo que el que quiere ver una película dominicana quiere ver a los dominicanos, quiere escuchar a los dominicanos, ¿no? Mais effectivement, il y a même des, il y a, ils essayent de faire des films en langue neutre, dans un espagnol neutre, sans accent. Mais je veux dire, qui a envie de voir un film sans âme? Un accent, c'est l'expression de l'âme d'une région, d'un pays. Donc, je pense que si les gens veulent voir un film de République dominicaine, ils veulent entendre du dominicain, ils n'ont pas envie d'un truc plat. Y a-t-il d'autres questions? Merci. Ma question concernera plus la République dominicaine que Haïti, parce qu'on a déjà implicitement eu la réponse en ce qui concerne Haïti. Il s'agit... Quelle est la relation entre la réalisation de films en République dominicaine et la télévision? Est-ce que la télévision intervient au niveau de la production, au niveau donc du financement et aussi au niveau de la diffusion? No hay casi ninguna relación, ninguna, entre la producción de televisión y la producción de cine en Dominicana. Non, en République dominicaine, il n'y a aucun lien entre la production pour la télé et la production du cinéma. C'est deux choses à part. Quizá la única relación que hay es que, por ejemplo, esas películas de comedia que son tan exitosas, sí eligen a comediantes de la televisión. Oui, peut-être le seul lien, c'est que ces grandes comédies, ces grands succès commerciaux, ils prennent des acteurs de la télévision, parce que c'est les acteurs connus. Sí, que son muy populares, que la gente los ve todos los días o todas las semanas, entonces eso hace que el público masivo pues quiera verlo en la gran pantalla, en aventuras y eso. Oui, sí, ils les voient pratiquement tous les jours à la télévision, donc ils sont très 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 populaires, et donc le public va aller les voir sur grand écran parce que c'est leur chouchou, quoi. D'autres questions dans la salle? Pero sí, a nivel de financiación, para concretizando, la televisión no hay una ley que diga, por ejemplo, en el caso europeo, ¿no? Donde el cine se financia con fondos de televisión privado o pública, sobre todo, en Dominicana no existe eso. Et donc pour préciser, en Europe, par exemple, le cinéma est financé en grande partie par la télévision, soit privée, mais surtout la télévision publique, alors qu'en République dominicaine, ça n'a pas lieu, ça n'existe pas. D'autres questions? Bonsoir. Donc, moi, j'ai une question, ou plutôt des éléments de question, parce que je n'arrive pas vraiment à formuler ma question.
Mais donc on a la chance d'avoir cette table ronde sur le cinéma dans un territoire. Hein, mais on dit un territoire, mais en fait les Caraïbes c'est une multitude de territoires. Hein. On a déjà deux réalités différentes avec Haïti et la République dominicaine. Et on a pu se faire une idée en fait un peu de la situation dans chaque pays. Et moi j'avais très envie en fait, puisqu'on a la chance d'avoir des réalisateurs, réalisatrices qui viennent déjà de deux pays de cette région. Peut-être de tisser un peu des liens, peut-être de voir aussi, est-ce qu'on peut parler justement d'un cinéma dans des Caraïbes, ou est-ce qu'il y a des traits qui sont communs justement, par exemple dans les thématiques qui sont abordées, à plusieurs niveaux. Donc voilà, ma question n'est pas très très claire, mais j'aurais beaucoup de plaisir en fait à créer un peu du lien entre ces territoires et puis à peut-être à un petit peu le voir ensemble, hein, et puis pas seulement face à face. Hein. Quand je regarde le cinéma caribéen, je ne dis pas que je regarde un cinéma caribéen. Je dis que je regarde un film qui se passe en Martinique ou qui se passe en République dominicaine. Les histoires en soi restent quand même universelles. Et quand c'est bien raconté, on enlève... toutes ces étiquettes de c'est un cinéma caribéen, c'est un cinéma dominicain, c'est un cinéma haïtien. Quand il y a des super comédiens donc qui vont interpréter son histoire, quand c'est bien monté, quand c'est bien éclairé, on est dans l'histoire, on n'est pas dans une région. Et moi, j'ai un peu peur de mettre des labels sur les films comme ça. Il y a des genres, il y a des choses qui sortent effectivement en Haïti parce que c'est moins cher. Il y a un cinéma un peu plus, comme je disais, un peu telenovela parce que aussi ils voient beaucoup ça et ça plaît. C'est un peu comique et tout. Mais on va trouver ça aussi au Brésil, on va le trouver aussi au Nigeria, on va le trouver en Inde, sans la musique, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'il y a une identité vraiment particulière au niveau de la Caraïbe. Bien évidemment, il y a des nuances. Il y a une sorte d'essence aussi du lieu. Il y a la culture, hein. il y a aussi la sonorité donc de la langue et tout ça, donc qui fait partie aussi donc du tissu du film. Mais je ne pense pas vraiment, je ne crois pas. Sí, yo estoy también de acuerdo. Lo mismo pasa con el cine latino, cuando se habla de cine latino. Es como hablar de cine europeo, ¿no? También, ¿no? Es como querer comparar películas de España con películas de Suecia, ¿no? O sea, es un mundo aparte, pero es una misma región. Pues lo mismo pasa en Latinoamérica, ¿no? Una película mexicana con una película chilena, una película brasileña con una película de Puerto Rico, ¿no? Y lo mismo pasa dentro del Caribe. Somos una región pequeña, pero tenemos una historia muy rica, donde pasaron muchas cosas, donde llegaron muchas culturas y hubieron muchas mezclas, y hay una diversidad en el Caribe muy grande que no se conoce porque no ha habido, creo yo, una difusión de esa diversidad. Todavía no ha habido una gran difusión, pero el Caribe es muy, muy diverso y creo que es un territorio muy, muy desconocido por el mundo. Je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est la même chose quand on parle de cinéma latino ou latino-américain. Je veux dire, c'est comme si on parlait de cinéma européen entre un film espagnol et un film suédois. On ne parle pas de la même réalité. C'est une même région, elle est encore beaucoup plus petite. On ne parlerait pas de cinéma européen. Donc, il n'y a pas de cinéma latino-américain. Il y a du cinéma chilien, vénézuélien, dominicain, mexicain, etc., etc. Et de la même manière
dans les Caraïbes. Les Caraïbes, c'est une région qui a une histoire extrêmement riche, qui a reçu des gens absolument de partout. Donc il y a des influences culturelles, linguistiques, et, qui sont extrêmement riches et qu'on méconnaît complètement, malheureusement, parce qu'elle n'a pas été beaucoup racontée et qu'elle est encore moins diffusée. Donc c'est intéressant de s'intéresser à la production de chacun des éléments de cette région, mais ce n'est pas une identité commune. Yo quiero comentar que una creo la primera vez que tuve como conciencia del cine caribeño yo y Natalia fue en el Festival de Trinidad y Tobago, porque es un festival de cine caribeño y lo que básicamente ahí uno conoce pues el cine de Curazao, de Martinique, de Barbados, ¿no? Y realmente uno no tiene ni idea antes de llegar a ese festival, ¿no? Ni siquiera que se haga cine, ¿no? Lo curioso por eso, como Natalia dice, el desconocimiento del mundo del Caribe, pero también en el Caribe hay mucho desconocimiento del otro caribeño, ¿no? En fait, moi j'ai pris conscience du cinéma caribéen quand je suis allé au festival de Trinidad et Tobago, qui est un festival de ciné caribéen. Et c'était absolument fabuleux parce que j'ai découvert des films de Curaçao et de Martinique et de lieux dont j'imaginais même pas qu'ils faisaient du cinéma. En fait, comme disait Natalia, on connaît très 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 mal la région à l'extérieur de la région, mais on connaît très très mal la région aussi à l'intérieur. C'est-à-dire, dans les Caraïbes, on connaît très très mal nos voisins, et encore moins ceux qui sont un peu plus loin. Donc, il y a encore beaucoup à découvrir. Y algo que pasó en ese festival que me parece también muy caribeño. Es, o sea, caribeño en el sentido de lo que hablaba de la ley de cine, que tenemos miedo de que se acabe, de Haití que hablaba de que hubo un momento de florecimiento y que se acabó, ¿no? Algo que pasó en ese festival es que también se acabaron los fondos y desapareció. Y por lo tanto, ya no hay esa juntadera de cineastas del Caribe. Y una cosa que está arrivée con ese festival y que es muy caribeño, en todo caso, vu de nuestra perspectiva, un poco como cette peur qu'on a que la loi du cinéma disparaisse o que en Haití. Tout a disparu après un mouvement très, très florissant, très fort. Eh ben, c'est que ce festival, il n'y a plus de fonds et il a disparu. Donc il n'y a plus de festival, il n'y a plus de lieu de rencontre des cinéastes des Caraïbes et c'est dommage. Sí, yo creo que hay que destacar lo que dice Uri, que el Caribe, que entre los caribeños nos conocemos bastante poco. Y creo que la gran paradoja de ese desconocimiento son los dos únicos países que comparten territorio, que es Haití y República Dominicana. Et effectivement, je confirme qu'on se connaît très très peu entre les différentes cultures, les différents pays dans les Caraïbes. Et le plus grand paradoxe, c'est à quel point on connaît mal nos voisins haïtiens qui partagent la même île. On est deux pays sur une seule île et on se connaît tellement peu. Yo personalmente he aprendido más de Haití fuera del Caribe y fuera del territorio que comparten la República Dominicana y Haití. Moi j'ai mieux connu Haïti en dehors de l'île qu'en restant sur l'île. Y por ejemplo, esta oportunidad que tenemos Getty y yo de conversar en República Dominicana o en Haití es casi imposible. Et cette occasion qu'on a là maintenant de nous rencontrer, de parler, c'est quelque chose qui n'aurait pas eu lieu, qui est pratiquement impossible, aussi bien en Haïti qu'en République dominicaine. Y es por este gran desconocimiento, un poco forzado por intereses también políticos a lo largo de demasiado tiempo también, ¿no? Et je pense que c'est dû à cette méconnaissance de l'autre, mais qui a été entretenu et empiré peut-être même par des intérêts politiques qui veulent qu'on soit divisé, qu'on ne communique pas, qu'on ne se connaisse pas. Bon, s'il n'y a plus de questions et si les invités n'ont pas d'autre chose à dire, on va conclure là donc la table ronde. Par rapport à ce qu'a dit Natalia,
l'institut donc de Focal, donc que j'ai mentionné, donc ça fait trois fois que je mentionne Focal. Je ne travaille pas pour la Focal, mais c'est vrai que c'est une institution qui nous est chère, parce que je dis c'est notre ministère de la culture à nous, fait beaucoup pour casser donc ce mur entre nous, entre les deux peuples. Et à travers des pièces de théâtre qui a donc des acteurs dominicains et haïtiens, notamment là il y a une production sur le massacre de 1935, donc qui s'est passé donc dans la frontière, à la frontière donc de République dominicaine, donc vers le nord, à Dajabón et Juanamente. Et donc, qui apporte donc les dialogues. Donc, à travers la culture, malgré nos dirigeants, malgré les pouvoirs en place, on arrive quand même à se rencontrer et à dialoguer et avoir une vraie conversation. Et hier soir, on a, dans un des discours de l'équipe donc du festival, disait que est-ce que le cinéma peut changer le monde. Déjà, le cinéma peut nous permettre de nous parler. Donc voilà. Donc, je voulais donc terminer avec cela. Avec bien sûr sur ces mots, je crois que on peut donc dire finir cette table ronde. Et merci beaucoup de votre assistance, de votre présence ici. Et applaudissements évidemment pour nos invités. Et notre fabuleuse interprète. Merci.